Deux romans étrangers pour commencer cette matinée, effectivement, avec vous, Francis Geffard. On va commencer avec Michael Maggie. Il est irlandais. Je vous laisse peut-être dire un mot de ce livre et ensuite on a une vidéo. Après quoi, je vous poserai quelques questions. Alors, il est plutôt d'Irlande du Nord, ce qui est une différence puisque c'est plus qu'une nuance. Absolument. Comme vous le savez tous et toutes. L'Irlande du Nord a un passé très particulier. Je dirais que ce qui est remarquable avec ce livre, c'est que quelque part, il n'aurait jamais dû exister, étant donné l'endroit de la société d'où vient ce jeune homme. Et pour moi, la littérature ne doit pas toujours être quelque chose de policé, de propre, mais parfois de rugueux, de brut, de violent même. Et le premier miracle, c'est justement d'avoir un livre où euh, un auteur affirme le droit de trouver sa place dans un monde qui n'a de cesse que de chercher à nous diviser. Et c'est aussi un livre où le pouvoir de la littérature est rendu dans le fait que finalement la littérature peut encore aujourd'hui transformer des vies. Et ce roman, c'est un peu aussi celui de l'auteur, parce que c'est un livre fortement autobiographique, euh, où... Euh, euh, on voit comment la littérature peut parvenir à transcender euh, la douleur, l'héritage euh, non seulement de, de l'histoire mais aussi de la famille et comment aussi la littérature peut aider euh, à transcender le milieu d'où on vient. Euh, et pour moi c'est ça le premier miracle de, de ce livre. Alors je n'ai pas été euh, le seul à y voir un miracle, c'est un livre qui a eu un parcours dans le monde anglophone absolument saisissant. Vous n'aurez qu'à faire des recherches sur Google pour voir comment la presse irlandaise, bien sûr, mais pas seulement euh, anglaise, américaine, enfin, dans le monde entier, ça a été vraiment un événement littéraire. Et rien qu'en Grande-Bretagne et en Irlande, il a raflé une moisson de prix absolument surprenante. On regarde et on écoute euh, Michael Maggie. Et c'est grâce aux librairies irlandaises que nous avons eu cette vidéo. michael lovely to talk to you and um, your first novel is, is that like you're releasing your, your first child into the world is it <laughs> it's probably as nerve-wracking i to be fair it's scary but it's, it is exciting as well in a way you don't really know what people are going to say about it and, and the best you can sort of hope for is it'll 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 sort of resonate with somebody would we be able to get a little synopsis just to give people a feel for what's in the book it's about a young university graduate from from Belfast who sort of returns from university in Liverpool and he sort of falls back in with the people he grew up with on a sort of housing estate in West Belfast and they sort of fall into this rut of partying and taking drugs to fill the time. And one night he finds himself at a party in an area that he's kind of unfamiliar with and is sort of provoked by by another guy there and and he assaults him, winds up having to do two hundred hours of community service. So the book is kind of about the, the repercussions of that assault, but also him sort of trying to come to terms with where he's at in life and and where he's going. It's a post-conflict Belfast where where the conflict is it's never it's never out of the picture, but a, a different kind of world is emerging. Was that in your mind? Today? Oh yeah, absolutely. Yeah, it was sort of at the at the very front of it. You know, I was born in nineteen ninety, so I was eight years old when the Good Friday Agreement was signed. So I was writing this book with that post-conflict generation in mind, but particularly the kind of post-conflict working-class generation, my kind of generation, the, the milieu that I sort of come from, and the peace process began, you know, there was this idea that the younger generation, the sort of Good Friday Agreement babies or the ceasefire babies or whatever, would reap the spoils of peace. You know, that hasn't quite been the case. You know, there's still credible levels of poverty and all these kind of problems that are sort of social problems that are sort of tangentially connected to that 30-year conflict. They're sort of disconnected in a way from the troubles, but whose parents were very directly affected by it, you know? And so they sort of, in, in a way, of a, sort of inherited this trauma. But on top of that, you have the normal everyday of growing up and having all the issues that go with that. Yeah, yeah. Even just becoming a parent. Sean's mother in the book became a mother very young and was married. and And so from the age of 17, she was a mother. And was a mother throughout the conflict, and that's all she's ever been. And so, how do you sort of navigate that, you know, as, as a woman, and particularly with, within a sort of context of a very sort of masculine war? Is that another thing, how it's changed what's expected of you as a man? Oh, my. Patriarchal masculinity still is, it exists just in different incarnations of it, you know, that particularly when you grow up in a place where you sort of have to be tough, you know, you kind of have to be hard. I think there's a line in the book when Sean's a kid and he, he doesn't like fighting and he's not a very good fighter, and his man hands him a hurdle and tells her, tells me that I can get stuck into them, you know. And as she is then sort of occupying that position, you know, and as, as a single mother, she almost has to because she understands the roots of the neighborhood and the streets, you know. I got exactly that advice from my mother. Yeah, exactly. it's a similar sort of thing. Find the biggest guy and attack him. I can't believe that was good. That was good parenting. <laughs> <laughs> I understand the impulse behind it because if he didn't, if you if you were sort of seen as being a coward or a sissy or whatever, mm. it would be worse, you know. Mm. And, and I was lucky, cause I had two big brothers in the same way as Sean did. You know, that's a very privileged position to be in. Sometimes I think you mentioned class as well and and the working class side of things. That that's also very important here. Absolutely, yeah, and I think that you know a lot of the things we were talking about there sort of alluding to, particularly about the troubles, is that the most profound instances of violence and, and the vast majority of it happened in working class areas, you know, mm -hmm. and it's no coincidence that them areas now are the ones that sort of are lacking. You know, it's it's, it's that thing of you know the people who suffered the most gained the least. There's a lot of optimism here, though. Do you think? Do you think is this kind of capturing a new emerging identity for young people in Northern Ireland? I think there, you know, a lot of people are talking about the kind of. The shift away from orange and green politics, and that kind of is happening, particularly among younger generations. Younger generations now are more preoccupied with the climate, gender, and sexuality, and all that kind of stuff. And and their politics are incredibly progressive. Change is good, I think, Michael. Yeah, yeah, yeah. it is. Well, listen, congratulations on this great, God, it's sensational read. Thank you so much. Uh, thanks for joining us, Michael. Cheers. Francis Jeffard, c'est vrai que c'est un roman formidable. Michael Maggie est né en 1990. Il est le rédacteur en chef du magazine littéraire Tangerine, basé en Irlande du Nord. Retour à Belfast est son premier roman. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un roman très autobiographique. Sean, le personnage central de ce roman, revient à Belfast après avoir passé un diplôme universitaire à Liverpool. C'est le cas de Michael Maggie. C'est vraiment son histoire qui raconte d'une certaine manière. Alors je pense que c'est largement son histoire qu'il raconte avec bien évidemment les licences de la fiction. Mais c'est vrai qu'il a fait des études de littérature. Mais malheureusement, quand on revient dans un endroit où finalement on est formaté pour échouer, à quoi ça sert Et Je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas typiquement nord-irlandais. Je pense qu'énormément de jeunes Français qui habitent dans des quartiers défavorisés peuvent être à même de ressentir les mêmes choses. Il y a eu plusieurs versions de ce roman. Dans la première version, le héros s'appelait Mike comme Michael et finalement il est devenu Sean. Et Sean, c'est le premier prénom que voulait donner sa mère, sa mère à l'auteur, ce que son père a refusé parce que c'est un prénom trop irlandais. Et je trouve que cette anecdote, elle dit beaucoup du livre de Michael Maggie, parce que rien qu'un prénom peut être une discrimination, par exemple à l'emploi. Bien évidemment, surtout quand on est dans, dans, dans cette province d'Ulster qui est si particulière et où le fait d'être catholique, de venir d'un milieu ouvrier n'aide pas forcément à réussir dans la vie. Alors, ce roman nous plonge dans les quartiers populaires de Belfast, où les promesses du processus de paix n'ont de loin pas été tenues. Pas de travail, pas d'argent, une grande précarité et même la pauvreté dans le Belfast de 2013. C'est à peu près l'année où se situe le roman. Absolument, parce que je pense que les accords de paix, beaucoup ont espéré qu'ils s'accompagnent d'une prospérité, d'un renouveau économique. Mais on n'efface pas des décennies de trauma et de destruction d'un coup de baguette magique. Et c'est vrai qu'on le sait, la Grande-Bretagne n'est pas dans une situation économique ni politique d'ailleurs, particulièrement florissante. Et je serais tenté de dire que l'Irlande du Nord est un peu le dernier de ces soucis. Donc c'est vrai que de fait c'est une partie du Royaume-Uni qui n'a pas du tout le niveau de prospérité qu'il devrait avoir. Donc on est condamné finalement à végéter d'une certaine façon. Retour de Liverpool, Sean retrouve ses, ses amis, passablement déjantés, mais aussi ses frères. Et, et je trouve que la description de ses amis, ça dit vraiment avec précision euh, dans quelles conditions vivent les, les jeunes euh, à Belfast. Il n'y a, a pas d'espoir pratiquement. Absolument, et il faut chercher. Et puis il y a surtout euh, ce qui est très présent dans le livre sans l'être d'une façon euh, didactique, le poids, euh, par exemple, du passé politique de l'IRA. On sait que qu'il y a sur le, sur le livre l'ombre d'un secret familial euh, qui plane et qui est directement lié euh, aux actions de l'IRA. Euh, je, je, je dirais qu'on on est dans une situation de paix, mais où la guerre est quand même toujours largement latente. Alors vous avez raison, il y a de très nombreuses références à l'histoire de l'Irlande, mais c'est fait avec beaucoup de subtilité, ça va assez vite. Euh, on parle évidemment de Herryu, qui est la déesse qui a donné son nom à, à Lehir, de Marianne Price, de Bobby Sands, que tout le monde connaît, mais de Carol Anne Kelly ou de James Codolly, que les gens ne connaissent peut-être pas. Ce roman est, est, est vraiment construit sur l'histoire de l'Irlande. Absolument, sur à la fois son passé et l'héritage le, un, un petit peu lourd de, de ce dernier, mais aussi sur cette vitalité. Parce que ce qui est formidable, c'est que c'est un livre profondément humain, optimisme, optimiste, avec des passages très drôles. Je dirais que c'est un livre qui est semblable, de, de mon point de vue, à ce que peut être la vie, qui est capable de nous réserver le meilleur comme le pire. Un dernier mot pour compléter ce que vous disiez en introduction, ce roman de Michael Magee nous dit aussi que la littérature peut sauver des vies. Ah ben là, carrément, c'est ce que, ce que, ce que l'on voit. La littérature peut transformer des vies et la littérature peut façonner des destins. Ça, c'est clair. Et c'est une chance. Il est temps, Francis Geffard, de parler du, du deuxième roman étranger. C'est un, un livre absolument incroyable qui s'appelle Le Déluge et je vous demande de bien vouloir accueillir son auteur, Stephen Markley. Stephen Markley, Le Déluge représente près de dix ans de travail et décrit ce qui risque de nous arriver si nous ne prenons pas mieux conscience de l'urgence climatique. On parle de, de dystopie à propos de ce roman qui se déroule globalement entre 2013 et 2040. Plutôt que de dystopie, moi j'ai envie de parler de, de roman prospectif. Est-ce que vous agréez cette définition yes, Oui, yeah. on peut en parler comme vous voulez. Très et, bien. On, et on peut dire ça, entre autres. Parce que ces dix ans de travail, c'est quand même. Il euh, euh, y, y a beaucoup de références scientifiques dans votre roman. Il y, y a vraiment un travail de connaissance très précis. Euh, J'ai l'impression que ce que vous annoncez dans ce roman, vous l'annoncez pas juste pour faire joli ou juste pour romancer. Il y, y a une vraie prise de conscience sur l'avenir du monde. Yeah, it's um, it's been uh, the most jarring part of writing the book has been watching... The stuff in it come true faster than I could publish the novel. And since it's come out, you know, there have been several global events, several minor events in the news or, or wherever else, and people will text me oh, another thing from your book has come true. Mm -hmm. Et euh, depuis qu'il est sorti, il y a eu énormément d'événements, soit des événements à l'échelle de la planète, soit des événements moins importants, qui ont valu euh, des SMS d'amis me disant ⁇ Mais tu vois, ce dont tu parlais dans ton livre, ça s'est réalisé, ça s'est arrivé ⁇ Il y a beaucoup de personnages dans ce roman euh, qui permettent d'explorer à peu près toutes les manières de lutter contre le réchauffement climatique. L'information scientifique, l'action politique, le militantisme, l'action citoyenne, le terrorisme même. Et pourtant, on a le sentiment qu'aucune de ces manières de lutter n'est efficace si on la prend seule. Right. The idea behind the book was to see the climate crisis from the perspective of you know uh, multiple characters a scientists activists policymakers and you know a working poor character who doesn't even believe it's happening. Oui en, en fait l'idée du livre c'était vraiment d'explorer cette question du changement climatique à travers euh, plusieurs euh, personnages très différents les uns des autres qu'ils soient engagés dans l'action politique dans euh, euh, le, le militantisme et écologique ou même pour le, le cas d'un d'entre eux un post type qui ne croit même pas et qui ne sait même pas ce qu'est le changement climatique eyes et ce que je voulais, c'était que ça permette aux lecteurs d'avoir une vision multiple, presque polyphonique, à travers ces personnages, et une vue d'ensemble de cette crise au fur et à mesure où elle se déroule. Alors c'est un livre assez volumineux, mais on s'ennuie pas une seule seconde parce que. Les méthodes narratives changent pour euh, pratiquement chaque personnage. Je prends le, le cas de Kate Morris, qui est cette euh, activiste et militante écologiste. Euh, on ne sait jamais ce qu'elle pense. C'est toujours à travers les autres personnages qu'on a un avis sur Kate Morris, par exemple. Pour euh, les personnages qui usent de violence, euh, on, on apprend toute une série d'informations à travers des, des coupures de presse, à travers la presse. Est-ce que c'était important pour vous que chaque personnage ait sa propre narration Yes, absolutely. Um, y you know, uh, the book is thick, so don't let that daunt you. Because I, I believe it's a page turner. Like once you get into it, you sort of ha it has its own propulsion, uh, and it reads more like a thriller than a slog. Oui, en fait, je veux vous prévenir, c'est vrai que ce livre est volumineux, mais ne vous laissez pas impressionner par sa taille, parce que je pense que c'est vraiment un livre dont on tourne les pages avec avidité. Une fois qu'on est engagé dedans, et c'est ce que j'ai voulu faire en l'écrivant, c'est presque comme si on était en train de lire un thriller. And, uh, you know, one of the techniques I use is, is you know, headlines from the future, um, different viewpoints on the characters we already know, some of which aren't all consistent. So it's up to the reader to pay close attention to sort of interpret what's happening in this future as we're all sort of like stranded on our islands of, of information now and how we're trying to interpret what's happening. Oui, c'est vrai que j'ai recours parfois à des gros titres qui viennent de l'avenir ou à des, des éléments qui, dans la, dans une, chez un personnage ou chez un autre, peuvent donner un élément d'ensemble. Et c'est au lecteur, parfois, de, de relier tous ces points en, entre eux. Mais ça me, ça me semblait important de pouvoir donner cet éclairage d'ensemble. Alors je confirme, hein, une fois que vous mettez le nez dans le roman, vous ne pouvez plus le lâcher jusqu'à la fin. Euh, il est bien sûr question dans ce roman euh, de, de toutes les conséquences du dérèglement climatique, les inondations, euh, les, ans, les incendies gigantesques, l'élévation du niveau des océans, la migration, les pénuries alimentaires. Mais le roman commence avec euh, Tony Pietrus, scientifique, qui alerte sur les hydrates de méthane. Et c'est une véritable bombe à retardement, ça se situe au fond des océans. Et avec le réchauffement, euh, ces, ces capsules de méthane se libèrent et, et le méthane remonte à la surface. Euh, et, et je trouve que ce, ce roman de, de Pietrus, c'est un peu les fondations de tout le roman euh, de Stephen Markley. Tous les personnages finalement finissent par se reposer sur le livre de, de Pietrus. Yeah, I mean, I, I think Tony acts as sort of uh, the surrogate for the reader, the way to bring them into the science and, and to the incredibly uh, terrifying results of the climate crisis if we let it spiral out of control. He's the way that the, the reader is allowed into sort of the, the worst-case scenario, the worst consequences. Oui, je crois que c'est le personnage par lequel le, le, le lecteur peut avoir les, les éléments... Uh, scientifiquement prouvé qui uh, démontre uh, quelle serait la situation si on, si on faisait en sorte que son contrôle uh, nous échappe. Voilà. Il, il, est, il est vraiment celui uh, à, à travers lequel on peut en entrevoir un certain avenir. However, I'll also say that I, I think the heart of the novel is Kate Morris, this activist who is sort of throwing herself at the wall, trying to do anything to find any way to arrest the crisis. And it's, as you mentioned, oui, et of see pour, pour moi le personnage le plus important c'est certainement Kate maurice cette militante écologiste euh, cette, cette égérie cette passionnariat qui fait tout ce qu'elle peut y compris parfois des choses euh, euh, extrême pour alerter euh, l'opinion sur les dangers du euh, réchauffement climatique. Et on voit cette femme à travers euh, les yeux de ce garçon, Matt, euh, mm -hmm. euh, finalement, à qui euh, il est arrivé un jour la plus belle et la plus difficile chose de sa vie, tomber amoureux d'elle. Euh, votre roman pose également la, la question de la légitimité de la violence. Il y a évidemment la, la violence des, ter des terroristes climatiques, mais il y a aussi les, les lobbies. Le monde politique. Et évidemment, cette violence, elle ne concerne pas seulement le dérèglement climatique, c'est aussi un grand roman sur l'Amérique et un roman très critique sur l'Amérique. Oui, yeah, absolument. I mean, uh, here in front of us, we have this very real, very scary, uh, you know, sort of the worst crisis humanity has ever confronted. Uh, and we have these precious few years left to act to set in motion uh, uh, policies that will change the course we're on. Um, and I wanted to narrativize that. I wanted to create a story that allowed the reader to feel in their heart what the stakes of this moment actually are. Oui, je pense qu'on est face à la, à la crise peut-être la, la plus grave à laquelle l'humanité est confrontée. Et j'avais vraiment envie que ce livre permette au lecteur de ressentir ça euh, presque dans, dans son être, dans, dans son esprit, pour voir que, que peut-on faire des, des précieuses années qui nous restent avant que ça devienne quelque chose de totalement inévitable. J'ai envie de vous demander, uh, Steven Markley, si, à l'instar du titre du, du roman de Tony Pietrus, votre personnage, est-ce qu'on a une dernière chance Yeah, I mean, I, I spent the first two-thirds of, of my time writing this novel just scaring the hell out of myself. Um, and I do think it really is that scary. But when I had to write the end of the novel, and no spoilers, but uh, you know, a, a, an economic crisis is set in motion by the climate crisis, and, and the characters must react to that um, I was fortunate enough to speak to so many people who have dedicated their lives to working on this issue. Oui, en, en fait, euh, j'ai passé les, les deux tiers de l'écriture de ce roman à, à avoir vraiment euh, l'angoisse cheville euh, au corps. Et puis quand je, quand je suis arrivé vers la fin, au moment où finalement cette crise climatique euh, s'accompagne de tas de crises qui sont euh, ces, ces corollaires, euh, j'ai eu une autre, une autre vision à, à travers tous ces personnages. Uh, and what that did was convince me that you know not only do we have every policy we need, every technology we need, uh, it's all right in front of us. The only thing stopping us really is is the uh, collected actions of the fossil fuel industry delaying putting in place all of these various ways we can get out of this mess. Cette vision, c'est celle que nous avons finalement tous les outils en, en, en main. Nous avons euh, les politiques, euh, les moyens euh, technologiques pour surmonter cette crise et que tout ce qui fait obstacle ce sont euh, les actions euh, des industries de l'énergie fossile euh, qui s'y opposent. Yeah, so et oui, et donc, le novel est is, is about sort of where humanity is right now on this knife's edge. Et, uh, and, and, you know, it's easy to On one side of that, fall into despair, and and on the other side, to fall into paralysis. But I really do believe there is a way forward. There is a way out, uh, and you know, hopefully, the novel will reach people, even if it's just a handful, and inspire them to take action. The way I have been inspired to take action by writing it. Oui, finalement, le roman, c'est un petit peu cette humanité sur le fil du rasoir. Elle peut tomber du côté du désespoir ou elle peut, compter, ou elle, ou elle peut tomber du côté inverse. Un, un, un et c'est sur ce que l'on va réussir à, à entreprendre à un moment donné et à mener des actions collectives pour essayer d'empêcher ça. Il n'y a que ça qui nous manque et je pense que. Et j'espère que c'est ce que le, ce que le, le livre aura su, pour, comme effet sur vous. Pour terminer, c'est pas une question, mais, mais peut-être une remarque sur le livre de, de Stephen Markley. Parce que j'ai lu énormément d'articles sur le dérèglement climatique, j'ai vu des reportages sur le dérèglement climatique, il m'est arrivé euh, d'animer des débats sur cette question. Jamais, jamais, je n'ai pris conscience aussi profondément, aussi immédiatement et aussi définitivement de l'urgence. Et ce livre est non seulement excellent, mais c'est un livre extrêmement important. Merci beaucoup. C'était juste pour qu'il dise deux mots en français. Et en conclusion, Francis Gepard, vous avez 1 minute 30. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas vous laisser effrayer par le sujet. Un livre sur le changement climatique. Quand Stephen m'a dit ça, je me suis dit au, au secours. Finalement, c'est un livre qui, qui, qui vaut par euh, ces personnages qui sont absolument et, et exceptionnels et ils sont la raison qui font qu'on peut euh, euh, finalement être entraîné dans, 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 dans ce roman. Alors, il y a toujours dans ces rentrées des tas d'adjectifs, de superlatifs. Hein, dans chaque maison, on va vous faire euh, la retape pour tel ou tel livre. Moi, je dirais que ce, ce livre-là, il m'a laissé à court d'adjectifs, de superlatifs comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, je, je, je pense que pour tout lecteur digne de ce nom, c'est vraiment quelque chose d'avoir un livre d'une telle tempe en, entre les mains. Et en tous les cas, pour un éditeur, c'est vraiment quelque chose d'avoir un tel auteur en, en, entre les mains. Je dirais que ce dont Stephen Marclay est capable, eh c'est de montrer à quel point la littérature est puissante et à quel point la littérature est forte. Et euh, je pourrais dire les choses d'une façon beaucoup plus triviale. Je ne sais pas ce que Stephen Marclay prend chaque matin au petit déjeuner, mais je peux vous assurer que je prendrais bien la même chose. Merci Francis Geffard. Michael Mailly, retour à Belfast, et Stephen Marclay, le déluge. Stephen Marclay qu'on peut raccompagner avec vos applaudissements. Thanks.